Bonjour, bonsoir à tous, c'est Samy 2022 pour un nouveau tutoriel sur comment installer Flappy Bird, pas sûr, mais comment. Donc ce tutoriel sera divisé en trois étapes, le téléchargement, comment le mettre sur son téléphone et l'installation du jeu. Juste pour info, je vais vous mettre dans la description cette page du journal Le Monde qui explique la suppression de Flappy Bird du Google Play et de l'Apple Store. Donc on va commencer notre première étape, c'est le téléchargement du jeu. Faudra juste cliquer sur télécharger. C'est un téléchargement très rapide. Puis après, pour la deuxième étape, faudra brancher son appareil Android. Moi, je suis muni d'un Galaxy S3, que voilà. Je vais partir là, copier ça, coller là. Et puis basta. Et c'est bon, ce qui met fin à notre deuxième étape. Pour la troisième étape, je vous dis à tout de suite sur le téléphone pour vous montrer comment ça se passe. D'ailleurs, vous pourrez noter que je ferai aussi une vidéo comment l'installer sur iOS. Donc, je la ferai très prochainement, vous inquiétez pas. Donc, à tout de suite. Et voilà. Donc nous revoilà sur le téléphone. Donc je suis muni d'un Galaxy S3 sous version Android 4.1.2 Jelly Bean normalement, si je me trompe pas. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour la troisième partie de ce tutoriel? On va dans l'application, mes fichiers, tous mes fichiers. On rentre où vous l'avez stocké, ou carte mémoire ou votre téléphone. Moi j'ai stocké directement sur le téléphone. Et là, vous verrez, quand si vous cherchez bien, vous verrez par exemple comme ça, moi le voilà directement, flappybird.apk. Bon, le 3 entre parenthèses, pas obligatoire. Vous cliquez dessus. Et donc là, vous aurez après deux choix, non pas deux choix, deux possibilités. Ou ça vous fait installation bloquée comme moi, ou ça vous fait rien, ça vous met installation. Donc, pour les gens qui savent pas télécharger comme je viens de faire, ça va sûrement leur faire ça parce qu'il faut faire un petit truc à son téléphone. Et les gens qui ont l'habitude savent quoi faire. Vous pourrez noter que mon téléphone n'est pas routé. Donc, quand ça vous fait ça, vous cliquez sur paramètres. Vous descendez jusqu'à source inconnue. Vous la cochez. OK. Et pour les gens, je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas paramètres. Vous partirez dans les réglages de votre téléphone, vous partirez dans le dossier sécurité et vous cocherez aussi source inconnue. Bon, une fois qu'on a fait cette étape, on part là, on part là, on part là, on installe le jeu. Hop, installé. Oui. Voilà, ouvrir plutôt. Et là, le jeu a été installé. Et on peut noter qu'il marche. Regardez, il bug pas, il est nickel, très fluide le jeu, pépère. Donc, ceci achève notre tutoriel vidéo. Normalement, tout de suite après avoir posté la vidéo, je mettrai la celle pour version Android, iOS, pardon. Donc, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas d'iPad, mais j'ai d'iPod, pardon, mais j'ai un iPad. Sous iOS 7.0.4, il est jailbreaké, mais par contre, la vidéo que je vais vous faire, il n'y aura pas besoin de jailbreak. Ne vous inquiétez pas. Donc, ceux qui sont à iOS, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. À tout à l'heure, bonne journée, bonne soirée à vous.